Désolé, l'ami. Si nous n'abattons pas cette tour, toute notre flotte sera détruite. Et on s'occupe de la tour. Mort, mort, tu dois être mort.
On se replie. On a un point d'arrivement. Attention. Personne n'avait fait ça. Ils étaient bons. Tenez, jusqu'à ce que je donne l'ordre. En avant! Nous sommes presque à la tour! Formation! Avec moi! Bouclier! À droite! Bouclier! Ça y est! Au bouclier! Nous allons détruire cette tour. En avant! Chargez! Allez! Soulevez le contrepoids! Je vais monter pour dégager les trappes! Arrêtez la chaîne! Tuez-le! Non!
Prenez. No!
cette tour avant que la flotte soit réduite à néant. Formation, avec moi. Tenir cette barricade jusqu'à l'arrivée de nos archers. Légionnaires ! Formez une ligne ! Allez, soldats ! Prenez ce fort ! En avant ! Allez ! En avant ! Défense rapprochée en place ! Les archers ! Attention ! Thank you.
peut les prendre sur le côté droit ou s'emparer du sur moi. Appréciez votre père, Marius. C'est un honneur de le servir. Par ici. Montez! Vite! Catapulte!
breton-breton, maintenant. Commandant! De bons officiers, de bons soldats sont morts aujourd'hui. Marius, tu as prouvé que tu pouvais commander. Tu as gagné le respect de ces hommes. Alors, prends ce casque. Et porte-le. Légionnaire, saluez votre nouveau centurion. Très bien, ça suffit. Du calme, soldat. Bien! Maintenant, vous savez de quoi ces barbares sont capables. Ces sales chiens sont prêts à tout pour nous anéantir. Mais ils oublient à qui ils ont affaire. Rome, c'est la civilisation. Rome, c'est l'ordre. C'est la puissance. Et ensemble, nous sommes Rome!
Commandant, le roi Oswald et ses barbares marchent sur York. Le général Commodus et la 6e cohorte ont attaqué l'ennemi. Mais nous n'avons aucune nouvelle. Sécurisez les derniers navires et déchargez-les. Que les hommes se tiennent prêts. Nous marchons sur York! Notre marche vers le nord et le cœur de la rébellion fut brutale. Notre progression était retardée par des escarmouches sanglantes avec les tribus vindicatives. Rome avait apporté paix, richesse et prospérité à ces îles. La rébellion avait fait voler tout cela en éclats. Mais enfin, nous y étions. Nous approchions du berceau de cette révolte, fief du roi Oswald et de sa fille guerrière. Des éclaireurs m'ont fait savoir qu'une grande armée de barbares approchait. S'ils réussissent à rejoindre cette armée, nous n'aurons aucune chance. York sera perdu. Par les dieux, ces barbares hirsutes sont 20 fois plus nombreux que nous. Nos pertes seraient énormes si nous les attaquions de front. Vous n'allez pas attaquer. Leur chef, le roi Oswald et sa fille Boudica sont là-bas avec eux. Si nous le capturons, les chefs de tribu devront déposer les armes pour obtenir sa libération. Alors Oswald devra s'agenouiller devant Rome et lui prêter serment. Ces barbares ont un code de l'honneur qui leur est propre. Ils n'ont aucun honneur. Ces chiens osent défier la puissance de Rome. Ils méritent de subir notre châtiment. Notre châtiment ? Ou le tien ? Commandant ! Assez ! Nous allons mater cette rébellion à ma façon. Sans exposer ces braves soldats à des risques inutiles. Est-ce que c'est clair, Centurion ? Très clair, commandant. Parfait. Un petit groupe d'hommes va infiltrer le camp ennemi et capturer Oswald et Boudica. Je vais mener le gros de nos troupes et intercepter leurs renforts. Et quels sont mes ordres ? Je t'ai promis du sang, tu te souviens ? Tu vas capturer Oswald et Boudica. Mais avant de faire avancer tes hommes, tu devras éliminer tous les archers postés sur l'aqueduc. Tu commenceras donc tout seul. Je suis à vos ordres. C'est un honneur.